Le billet d'humour d'Audrey Charlot. Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle chronique. Et toi, tu le fêtes comment ce Noël? En ce moment, on vit un peu la psychologie du rescapé. On vit comme un petit miracle le fait d'être ensemble. Alors Noël, qu'importe les embûches, on y pense, on veut le fêter. On veut retrouver de la force, de la chaleur, du réconfort, de l'humain quoi. Couvre-feu, distanciation sociale et gestes barrières, c'est pas vraiment des termes qui nous font penser aux fêtes de Noël. Alors voici quelques idées malgré la situation pour fêter ce Noël bien particulier. On va penser à faire des portions individuelles. Voilà un petit changement qui va nous pousser à être créatifs. On évite les buffets, les grands plats à partager ou le saladier chips où tout le monde va plonger sa main dedans. Et ça vaut pour tous les plats, de l'apéro au dessert. Soit tu joues le jeu à fond, soit pas du tout. Tu vas structurer ton espace, par exemple à table, tu peux mettre des petites cartes nominatives afin que chacun trouve sa place rapidement. Et on pense aussi évidemment à aérer notre maison, c'est important. Mais bon, ce qui compte, c'est de pouvoir, malgré ce Covid, passer Noël ensemble. Alors on pense à la déco qui se doit d'être festive et joyeuse. On reste optimiste jusque dans le look. Strass, paillettes, rose et léopard, on sort tout. Très belle semaine à tous. La chronique de Charlot, à retrouver en podcast sur itswanradio.com.